Ihre Fahrdienstleitung an 491, bitte kommen. 491 hört. Heute hast du Nachtschicht und fährst den Nightjet 491. Allerdings musst du nicht die Nacht durchfahren. Du machst erstmal den Abschnitt bis Hannover. Und dann kannst du dir ein freies Plätzchen in einem der Schlafwagen suchen. Wir brauchen dich dann wieder für den Abschnitt Nürnberg-Regensburg. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber ich melde mich später nochmal bei dir. Gute Fahrt. Alles klar, dann bis später. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Nightjet, donc qui est sorti chez 3DZoug. Alors, il est sorti fin décembre, je crois, le 21 décembre 2019, quelque chose comme ça. Nous sommes sur Hambourg-Hanovre. On va assurer l'attraction du service Nightjet Hambourg-Vienne entre Hambourg et Hanovre. Alors, le Nightjet, c'est quoi? C'est la nouvelle offre de train de nuit des chemins de fer fédéraux autrichiens, les EBB, qui a été mise en service en 2016 après l'abandon du service City Nightline de la Deutsche Bahn. D'ailleurs, il réutilise en partie les voitures, des anciennes voitures City Nightline de la DB. Alors, voitures qui ont été rénovées pour ce qui concerne les bogies, puisqu'elles sont toutes aptes à circuler à 200 km/h, et l'intérieur a été simplement, on va dire, pas rénové, enfin l'aménagement reste plus ou moins identique, mais l'intérieur a été modernisé avec, par exemple, je crois qu'il y a des prises de courant, enfin voilà, on va dire que ça a été modernisé au niveau de l'intérieur de ces voitures. On est avec la Taurus en livrée Nightjet. Alors, c'est en fait la Taurus du Railjet, le Railjet de Railworks Austria, et on l'a en livrée Nightjet. Donc le scénario de base ne devient pas comme ça. On est bien sur un scénario de 3DZoug. Alors, au niveau des scénarios, il n'y a pas grand chose qui vient de base. Je pense qu'après ils en vendront peut-être, connaissant un peu 3DZoug. De base, on a simplement des scénarios sur Hambourg-Hanovre et la ligne de Nuremberg. Là, je ne sais jamais prononcer le nom correctement. Et donc, en gros, on a à chaque fois les trains. On a les scénarios dans les deux sens. On a, pour ce qu'on fait nous là aujourd'hui, Hambourg-Vienne, donc on a le trajet de Hambourg à Hanovre. Il y a dans l'autre sens pour Vienne, Hambourg de Hanovre à Hambourg le matin, évidemment, hein, quand le train arrive au terminus. Et puis pareil pour la ligne de Nuremberg. Alors, si vous n'avez pas le Railjet, c'est un petit peu embêtant, mais pas tant que ça, parce que de toute façon, il y a des scénarios qui viennent avec des locomotives de DTG. Alors, je sais plus laquelle c'est exactement. Je crois que c'est la BR189 de DTG, mais j'en suis pas certain là comme ça. Et de toute façon, étant donné qu'on est sur TS, vous pouvez modifier les scénarios, vous pouvez créer vos propres scénarios, vous pouvez utiliser évidemment les locomotives Taurus de chez HRQ. Ça fonctionne également très bien. C'est un peu moins complet que les Taurus du Railjet, mais ça fait l'affaire. Et vous pouvez également utiliser des locomotives allemandes comme éventuellement la BR101, la BR189, même si c'est peut-être plus rare la BR189 sur des trains de passagers, mais c'est peut-être que ça arrive sur des trains de nuit, et pourquoi pas la Trax, la BR185.2 et ses variantes, puisque j'ai vu des vidéos. Alors, je suis pas certain pour la BR189 et pour la Trax, mais il me semble avoir vu une vidéo sur YouTube avec une BR101 qui remorquait un service Nightjet. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, si c'est en fonction du déroulement, s'il y a un roulement entre les locomotives, ou si c'est juste par rapport à la disponibilité des machines. Pour info, le service Nightjet est disponible en Autriche, en Suisse, en Italie et en Allemagne, et il y a des accords avec la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, qui eux ont des services sous le nom Nightjet Partner, mais je suis pas certain qu'ils aient les mêmes voitures. Par contre, je pense que c'est plus un accord commercial. D'ailleurs, peut-être qu'on, étant donné que ça réutilise en partie des anciennes lignes City Nightline, peut-être qu'on verra du Nightjet en France sur des services comme Paris-Berlin ou Paris-Vienne, qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. Alors, Paris-Berlin existe partiellement avec le Paris-Moscou, mais voilà, peut-être qu'on verra
ses services un jour en France. Et puis au niveau des locomotives, après je parlais que par rapport à l'utilisation de certaines machines, donc il y a certainement la disponibilité des machines où il y a peut-être un roulement entre elles, et il y a aussi la contrainte de certains réseaux. Par exemple en Italie, eh bien, ce sont les Taurus 1216 qui sont aptes aux 3000 volts. Il y en a quelques-unes donc de chez EBB qui peuvent circuler en Italie, mais ce sont les 1216. Donc les quadrilles tension, puisque là on est sur une locomotive de type Taurus 1116 qui de mémoire est seulement bitension 15 000 volts et 25 000 volts alternatifs, si je me trompe pas. Nous allons découvrir d'un peu plus près cette livrée Nightjet. Alors vous voyez qu'on a exactement la même police de caractère que le Railjet. On est bien autorisé à 230 km/h et on est apte en Autriche et en Allemagne. Donc oui, il y a très souvent le nom de jet dans les dernières offres là des chemins de fer autrichiens. Vous avez Railjet, Nightjet, Cityjet, mais ça n'a pas grand-chose à voir entre eux. Hein, la composition, les voitures du Railjet n'ont rien à voir avec les voitures du Nightjet. Hein, attention, il n'y a pas faire de confusion. Le Railjet, c'est un train, alors officiellement non, mais on va dire que c'est un train à grande vitesse. L'ensemble des voitures forment une rame indéformable avec un bogie commun à deux voitures, comme sur le TGV ou comme même sur le Talgo. Ici, c'est pas le cas, on est sur des voitures tout à fait conventionnelles avec un bogie à chaque extrémité des voitures. Donc, on a quatre types, on va dire, de voitures. Nous avons comme ici la voiture à siège. Ensuite, nous avons les voitures couchettes, les voitures lits à un niveau et les voitures lits à deux niveaux. Et après, il y a pas mal de variantes. On a aussi un pack. On a ces voitures qui sont également disponibles en version IA. Donc, c'est toujours intéressant parce qu'elles doivent consommer moins de ressources. Et on a aussi des wagons porte-auto qui sont limités à la vitesse de 160 km/h. Donc, ce sont les wagons DDM. J'ai pas encore vraiment l'occasion de les présenter. Je voulais les montrer sur le Talgo et je les ai pas montrés. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, les wagons DDM, comme je disais, ils existaient chez Railworks Austria, vous les avez gratuitement, ils existaient sur le Talgo et ils sont disponibles également sur ce Nightjet. Alors, je ferai certainement une vidéo avec pour au moins vous les montrer. Donc, voici une voiture à siège. Vous voyez qu'elle est bien apte à 200 km/h. On a ensuite, je vais essayer de vous montrer une des voitures couchettes. Ah oui, on verra les vues intérieures un peu plus tard en roulant lorsqu'on sera sur la zone du LZB. Ça sera un peu plus confortable. Non, ça c'est encore une voiture siège. Ce sera plus confortable pour faire des vues intérieures parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a plusieurs vues par voiture. C'est vraiment très bien modélisé. Voilà, je crois que là on en a une. Oui, voilà, là nous avons une voiture couchette. Donc la voiture siège, c'est la BMZ. Les voitures couchettes, ce sont les BCMZ. Les voitures lits à un niveau, ce sont les WLABMZ. Et les voitures lits à deux niveaux, les WLABM. Et après, il y a pas mal de variantes. Alors, il y a des personnages qui sont modélisés, comme on peut voir ici. Ces personnages sont visibles donc depuis la vue extérieure. Par contre, ils ne sont pas modélisés dans la vue intérieure. Alors moi, ça me convient bien. Peut-être que ça plaira pas à certains. Moi, je préfère cette disposition parce que je trouvais que ça faisait bizarre d'avoir des personnages qui sont quand même pas très bien modélisés. Alors ça fait l'affaire lorsqu'on est à l'extérieur. Puis quand le train passe en vue spotter, là ça donne quelque chose d'un peu plus vivant. Par contre, en vue intérieure, vous avez des super textures. Et puis à côté, vous avez un personnage qui rend vraiment pas beau, qui est totalement immobile. Voilà, donc moi j'aimais pas. Je sais que dans le Talgo et dans l'Orient Express, ils avaient laissé les personnages en vue intérieure. Là, ils les ont enlevés.
et j'ai pas vu d'option pour pouvoir les remettre. Donc visiblement, je devais pas être le seul à pas aimer les personnages dans la vue intérieure. Voilà, ça c'est une petite précision. Donc je sais pas. Moi, je préfère quand c'est comme ça parce que je trouve que ça dénature beaucoup le travail de modélisation. Autant c'est intéressant d'avoir des personnages sur TSW parce qu'ils sont animés et puis de toute façon on peut se déplacer et tout, mais sur TS les personnages à bord des trains ils sont complètement statiques et je trouve que c'était vraiment pas terrible. Ici on a une des voitures lit, ouais, on l'a pas encore vue celle-là. Voilà, voiture lit à un niveau de type WLAB MZ je crois. Donc avec alors il y a plusieurs variantes à chaque fois. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions avec des espèces de suites avec une salle de bain. D'autres ont simplement un lavabo. Mais voilà, souvent c'est des aménagements, on va dire, un petit peu premium, un petit peu haut de gamme. On a à nouveau une voiture siège. Et puis pour les voitures couchettes, alors je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait deux types de voitures couchettes. Il y avait les voitures couchettes, bon là c'est une voiture siège, mais on avait les voitures couchettes, on va dire conventionnelles, et apparemment on aurait des voitures couchettes avec des sièges qui se transforment en couchettes. Alors je suis pas trop sûr de ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait ce système là. Et puis on va avoir tout au bout la voiture à deux niveaux, la voiture lit à deux niveaux. Je vais essayer de vous montrer. La voici. Donc pareil, hein, c'est des aménagements assez haut de gamme. Bah, c'est un petit peu identique au niveau des aménagements à la salle à un niveau. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, mais on verra ça en vue intérieure tout à l'heure. Alors ces voitures-là, on les avait déjà en quelque sorte dans le pack City Nightline de chez 3DZOO qui est sorti il y a déjà un petit moment. Mais le problème de ce pack, c'est que vous n'avez pas de vue intérieure, vous n'avez pas d'éclairage. Il y a juste la 3D, les textures et les sons, ça vaut vraiment pas le coup. Prenez celui-ci, il sera bien plus intéressant. Ce sont les mêmes voitures, hein, mais déjà on les a en version Nightjet, donc en version récente, puisque le service City Nightline a été abandonné. Et puis surtout, on a de l'éclairage, on a des vues intérieures, enfin tout ce qu'on n'a pas dans le pack City Nightline. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas impossible qu'on ait des reskins de ces voitures-là en livrée DB City Nightline. On verra, mais c'est pas impossible. En tout cas, ça constituerait une très bonne base pour refaire des voitures City Nightline, même si elles circulent plus, dignes de ce nom. Le pack, j'ai oublié de parler du prix, il est à peu près à 25 euros, 24 euros et quelques. Ce sont les prix standards chez 3DZOOG, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est un peu cher, mais là, il y a quand même du contenu, il y a de la qualité, donc je trouve, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, contrairement au pack City Nightline, qui était un tout petit peu moins cher, je crois, chez Just Trains, mais qui vaut vraiment pas le coup aujourd'hui. On va passer donc en cabine et on va mettre en service notre Taurus. Alors, première chose à faire, c'est basculer l'interrupteur de la batterie. Je vais mettre un peu de lumière parce que à chaque fois je me trompe. Donc ensuite on règle les portes sur EBB. On règle les feux également. Voilà, pour l'instant on n'est pas trop mal. On va mettre l'inverseur sur le premier écran. On va ouvrir nos portes. On va configurer pour le bon réseau, parce que là on voit qu'on est sur EBB, donc il faut qu'on se mette sur DB. On n'est pas trop mal. On va monter notre panto. On attend que l'autorisation fermeture disjoncteur s'allume. Donc c'est ce truc là qui doit passer en bleu. Je suis pas sûr. Voilà. Là on peut fermer notre disjoncteur. J
je vais activer mon AFB. Comme ça, je dépasserai pas la vitesse limite à la sortie de Hambourg, qui est de 40. Et puis, je pourrais faire une vue extérieure tranquillement. Et puis, de toute façon, après, on va rouler sur zone LZB, donc ça sera plus pratique. Je vais vérifier mes feux. Bon, on a le départ qui est donné, on va pas partir tout de suite, tout de suite. Alors, je vais verrouiller mes portes, par contre. Bon, les feux, c'est bon. On va enlever le frein de stationnement et puis on va pouvoir partir. Donc le frein de stationnement est enlevé, nos portes sont fermées, elles sont verrouillées, donc on va pouvoir desserrer nos freins. Donc on va surveiller notre manomètre cylindre de frein, histoire que la rame soit bien vérifiée, qu'elle soit bien complètement desserrée. Voilà, là c'est bon. Et donc départ. J'en règle mon feu. Alors je vais couper la lumière cabine, moi j'aime bien de nuit rouler comme ça. Ce sera, je pense, un peu moins gourmand en ressources. Donc après on sera limité à 80 et ensuite on aura la zone LZB avec des vitesses possibles jusqu'à 200. Mais le problème c'est que la nuit devant on a des trains de fret. Donc on aura pas mal d'endroits où il faudra ralentir. Puisque bien entendu, les trains de fret ne roulent pas à 200. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich im Nightjet von Hamburg-Altona nach Innsbruck bzw. Wien Hauptbahnhof. Mit den Unterwegszeiten in Hannover Hauptbahnhof, Göttingen, Würzburg und Nürnberg. Ab Nürnberg Hauptbahnhof wird dieser Zug geteilt. Der Zugteil nach Innsbruck Hauptbahnhof fährt über Augsburg, München, Rosenheim, Kufstein, Vögel und Jenbach. Und der Zugteil nach Wien Hauptbahnhof fährt über Regensburg, Passau, Wels, Linz, Amstetten, St. Pölten und Wien Meidling. Beachten Sie, dass Wagen 272 bis 276 am Anfang des Zuges als Nightjet 491 nach Innsbruck fahren, während Wagen 260 bis 264 am Ende des Zuges nach Wien Hauptbahnhof fahren. Die Zugteilung findet, wie schon erwähnt, in Nürnberg statt. Der nächste Halt des Zuges ist Hannover Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Voilà, on vient d'avoir l'annonce du contrôleur. Ce qui est toujours sympa à voir sur les scénarios de 3D Zug. Alors, j'ai pas tout compris, parce que moi et l'allemand, ça fait deux. Mais en gros, le train, c'est
Hambourg-Vienne, avec une branche visiblement pour Innsbruck, donc à certaines voitures qui sont à destination de Innsbruck. Le prochain arrêt, c'est Hanovre, et je crois que c'est Hanovre, Nuremberg, Munich et Rosenheim, mais je suis pas trop sûr là de ce qu'a dit le contrôleur, mais bon, voilà. Personne qui parle allemand, vous aurez l'info. Donc c'est vrai que c'est toujours sympathique sur 3DSU d'avoir ces annonces. Et on poursuit, c'est toujours 80, c'est 120 ici. Arriver sur la zone LZB, comme ça on va pouvoir aller voir un petit peu l'intérieur des voitures. Alors, à l'intérieur des voitures, à l'installation, on peut l'installer en haute résolution avec un peu plus de détails, ou alors si on constate des problèmes, on peut diminuer un petit peu la résolution des textures des vues intérieures. Par contre, ça ne changera rien à la modélisation des textures extérieures. Leitung an 491, bitte kommen. 491 hört. So, ich habe dir gesagt, ich melde mich nochmal. In deinem Zug sind vorn Wagen des Nightjet 40491 eingereiht. Diese werden in Nürnberg abgekuppelt und an den Nightjet 421 nach Innsbruck angehängt. Und damit das ein gerechter Tausch ist, kriegst du ab Nürnberg Wagen des 40421, der mit dem 421 von Düsseldorf kommt. Ein Wagentausch wie früher also. Es ist aber noch ein gutes Stück bis dahin. Warte mal kurz. Oh nein, Karl-Jürgen will was. Ich melde mich wieder bei dir. Oh oh, alles klar, dann bis später. Ok, c'est à nouveau 120. Voilà, là on est bon.
suis pas trop certain de la réduction de vitesse. Pour moi, c'était 120 jusqu'à... Alors, j'utilise un peu mon HUD parce que il y a certaines choses que j'ai oubliées sur cette ligne. Ça fait un petit moment que j'avais pas roulé dessus, donc il y a certaines limites de vitesse que je connais plus. Ok, donc on est connecté au LZB, donc on va pouvoir mettre notre manette AFB à fond. Alors je rappelle qu'on n'est pas obligé de le faire au passage. On peut très bien conduire sur zone LZB sans l'AFB. Sur le LZB, c'est juste de l'affichage en cabine, c'est tout. Mais c'est vrai que l'AFB, il peut se combiner avec. Alors je vais peut-être pas me mettre... Donc là on est autorisé à 160, prochaine limite 160 également. Je vais pas me mettre complètement à fond pour l'instant. On va rester à 120. Non, je me mets à 120. C'est juste pour que ce soit un peu plus confortable quand on va être en vue extérieure et que je vais pas pouvoir avoir les instructions. Parce que devant nous avons très probablement des trains de fret. Et du coup, on va devoir ralentir. Donc, on va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les vues intérieures. Ici on est dans la voiture, je crois que c'est la voiture à deux niveaux, normalement. Donc on peut se déplacer avec les touches directionnelles. Donc là, alors évidemment, on est arrivé dans une zone, ouais, on est arrivé au seul endroit qui n'est pas éclairé, c'est pas grave. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur d'une des voitures. Donc là c'est vraiment le service haut de gamme. Là. Donc on est bien dans la voiture à deux niveaux. On a ici on a les instructions pour le signal d'alarme. On doit avoir quelque part le contrôle du volume, de la lumière et autres. Alors si on continue, alors c'est toujours le même endroit. Donc les touches directionnelles permettent de se déplacer dans chaque voiture. C'est vraiment super bien détaillé. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est la même configuration. On va passer sur les autres voitures parce que là vous avez vu en gros l'essentiel de cette voiture là plus ou moins. Ah, il y en a un, on a peut-être encore une qu'on n'a pas vu. Alors c'est dommage, là c'est un peu sombre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour par la voiture à deux niveaux. Donc là, on est très probablement dans une voiture soit couchette, soit siège. On va voir ça. Donc a priori, c'est voiture siège.
Donc voici les voitures, à quoi ressemble la voiture couchette. Alors c'est soit 4, soit 6 couchettes. Alors pareil, hein, le contrôle des lumières, du volume, des instructions pour le signal d'alarme. Donc là, c'est les, on va dire que ce sont les couchettes, les sortes de, non, c'est la couchette du haut, c'est tout. En fait, bon, j'allais confondre avec les voitures lit, avec les espèces de suites, mais un peu comme on a vu sur la voiture à deux niveaux. Mais non, non, c'est pas dans cette voiture-là. Là, je pense que c'est une voiture siège, donc on va pas s'y attarder plus que ça. Là aussi, probablement, on va voir. Je crois qu'on les a. Ah voilà, ça doit être une peut-être la voiture lit à un niveau. Donc là, pareil avec des aménagements. Normalement, c'est dans celle-là où on a des salles de bain ou des lavabos. Normalement, c'est dans celle-ci. Puis là, attendez, je vais juste voir un truc sur ma loco. J'entends que lui, il se manifeste. C'est bien, on peut entendre les sons du LZB. Non, c'est bon. On peut entendre les sons du LZB quand on est dans les voitures passagers. Je sais plus où on en était, mais je crois que je vous ai montré. Bah ouais, on devait être dans celle-là. Et là, je pense qu'on a vu à peu près toutes les voitures. Parce que là, ça doit être des. Ouais, ce sont des sièges, je suppose. Ouais, je pense que c'est à peu de choses près. Ouais, c'est ça. Puis là, après, c'est des voitures à siège. Donc voilà, on a dû faire le tour. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre train. On va reprendre la traction. On va accélérer, du moins. Comme ça, j'ai mis un peu de distance avec les trains qui sont devant moi. C'est pas plus mal. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent les vues intérieures. On va poursuivre notre trajet vers Hanovre. Je pense que je vais moins parler là maintenant. J'ai donné pas mal d'explications et donc je vais vous laisser profiter un peu des sons. Et je pense qu'on se retrouvera vers la fin de la vidéo. Hier die Fahrgastleitung 491, bitte kommen. 91 hört. Ich wollte dir noch was über den Zug und die Geschichte des Nightjet erzählen. Willst du das hören? Ja klar, wenn du jetzt Zeit hast, dann erzähl mal. Gut, denn ich habe jetzt einen Moment Zeit. Dann pass mal auf. Die ÖBB Nightjet umfasst im Wesentlichen die bislang unter dem Namen ihrer Zuggattung als Euroline vermarkteten Nachtzüge der ÖBB sowie einen Teil der bis Dezember 2016 von der Deutschen Bahn betriebenen City Nightline-Züge. Ein weiterer Teil der seit 2016 unter diesem Namen verkehrenden Euronight-Zugläufe wird nicht durch die ÖBB, sondern durch Partnerbahnen aus Kroatien, Polen und Tschechien betrieben und bewirtschaftet.
Diese werden nicht als Urban Nightjet, sondern als Nightjet Partner bezeichnet. Ah ja, interessant. Aber sag mal, habt ihr da eine Katze oder was ist das im Hintergrund? An die Fahrdienstleitung. Bist du noch da? An die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Je peux expliquer sommairement l'utilisation du LZB. Ça ressemble un peu au système ETCS au niveau de l'utilisation en tout cas. Donc sur la gauche, vous avez la distance par rapport à la prochaine limite de vitesse. Donc là, c'est en train de diminuer. En bas, c'est la prochaine vitesse à atteindre. Donc par exemple, là, 140 km/h dans 2,5 km. Et après, vous avez sur le compteur de vitesse le repère qui vous donne la vitesse à respecter. Donc là, on doit être à 160 dans 1,6 km. Donc je vais couper la traction. Ça sert à rien qu'il accélère jusqu'à 200 pour freiner après, ça sert à rien. Et de temps en temps, on a l'instruction G qui apparaît. 491, hört. Entschuldige, dass ich nicht mehr geantwortet habe. Karl Jürgen hat heute seine Katze zur Nachtschicht mitgebracht und dieses Monster sorgte für ein wenig Unruhe. Ansonsten ist aber alles gut hier. Ja, sowas Ähnliches habe ich mir gedacht. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Donc voilà, là, on a le G qui s'est allumé. C'est parce qu'il faut freiner. Et on a le train qui peut se mettre à freiner tout seul si on ne réagit pas. Là, on a freiné assez fort parce que on est un peu limite par rapport à la vitesse qu'on doit atteindre. Voilà, donc là c'est 110.
Donc on a des. On a des belles réductions de vitesse par moment. Probablement qu'il y a un train devant nous, un train lent. Et donc oui, normalement, lorsqu'il y a le G qui s'affiche, c'est qu'il faut freiner. Et si vous ne réagissez pas, le train va freiner de lui-même. Mais c'est pas une bonne idée de conduire comme ça. Pour l'accélération, on peut laisser la FB à fond. Et, par exemple, quand on va être autorisé à 160, il va accélérer tout seul, ça fonctionne bien. Mais pour les phases de ralentissement, il vaut mieux devancer le système. Il vaut mieux freiner, couper la traction et freiner, faire le frein manuellement. C'est quand même mieux. Surtout que, bon là on est sur une ligne, il n'y a pas vraiment de déclivité. Mais lorsque vous êtes par exemple sur la Semmeringbahn, l'AFB a beaucoup de mal à maintenir la vitesse du train en descente. Donc faut faire attention à ça également.
Alors normalement on commence à s'approcher de la fin du LZB. Bah voilà. Pas toujours évident à acquitter d'ailleurs, voilà, là cette fois c'est bon. On va garder un peu de traction quand même, on va pas se mettre à 60 tout de suite, c'est en... Ouais, normalement... Ok, là c'est toujours limité à 110. Bon, on va rester sur la marche sur l'air parce qu'effectivement, on va arriver à Hanovre, mais on va avoir une séquence de ralentissement et on est à nouveau sur la zone PZP. Werte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Hannover Hauptbahnhof. Der Aufstieg hier befindet sich in Fahrtrichtung links. Dort haben Sie Anschluss an den Regionalexpress der Linie RE 70 nach Bielefeld Hauptbahnhof. Planungsträgerfahrt 22:09 von Gleis 12. An den Regionalexpress der Linie 8 nach Bremen Hauptbahnhof 22:20 von Gleis 12. An den ICE 1057 nach Berlin-Gesundbrunnen. Planmäßige Abfahrt ist 22:31 Uhr. Dieser Zug fährt ab von Gleis 9. An den Metronom nach Göttingen 22:33 Uhr von Gleis 3. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bon, j'ai pas acquitté au bon moment, tant pis. Fallait... J'étais à peu près sûr que ça allait arriver, mais je savais pas quand. J'ai dû pas... Je pense que j'ai pas acquitté la réduction de vitesse. Donc du coup on repart à 45 et donc ouais il y avait la réduction de vitesse, j'avais ralenti mais je n'avais pas quitté la réduction.
entrons en gare de Hanovre-Bahnhof. Et c'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite aussi une excellente année 2020, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, et je vous dis à la prochaine.